돼요. 아래 또 공사. Diarra, Kamite sont synonymes. Mansaré, Kounaté, Koulibaly, Keïta, Dounou, Dambo, Souma. Consulaire, distingués membres du CNRD, représentant l'ensemble des forces de défense et de sécurité, chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, monsieur l'inspecteur, monsieur l'imam Ratib de la Grande Mosquée Faisal, monsieur l'archevêque de la ville de Conakry, distingués invités en vos grands titres et qualités. Mesdames et messieurs, excellences, monsieur le président, la Guinée se retrouve. Chers invités, en vos rangs, qualité et titre, tout protocole observé. Je voudrais d'abord vous remercier très chaleureusement d'avoir répondu à mon appel, celui de la nation et de l'État, ce qui témoigne de l'intérêt certain que nous portons tous à l'égard de notre pays, dont nous avons la responsabilité de chérir, de défendre et de maintenir dans la paix et la prospérité pour les générations actuelles et futures. Mes chers compatriotes, la Guinée est le fruit de son histoire. Dans le processus de les moments de douleur, de difficultés et d'hésitation. Après toutes ces années où des violences de toutes sortes se sont abattues sur nous, à partir de ce 22 mars, nous chercherons du tréfonds de nos âmes la force qui nous permettra de nous regarder en face, bien en face, pour dire ce que nous nous sommes infligés. Nous nous sommes assez regardés en ennemis. Trop de défiance, remontant mille et une souffrances, trop de méfiance. Enfantant des rigoles de larmes passées sous silence. Mes chers compatriotes, durant toute cette décennie, nous n'avons pas cessé de nous faire du mal. Des soleils pâles ont succédé des nuits sans étoiles. Il est temps de s'arrêter un instant et de purifier notre ciel. Il y a tant de beauté à y inscrire. Et vous êtes, nous sommes tous les dépositaires de cette lumière léguée par nos ancêtres et qu'il faut préserver.
C'est vers ceci que j'étends chaque jour mes modestes mains, afin de recueillir leurs bénédictions, pour avoir la force et l'humilité de vous servir dans l'unité. L'unité de notre pays est la pierre de mon action. Je vous l'ai dit le 5 septembre 2021, je vous ai fait la promesse de porter à bout de bras cette volonté, notre aspiration de pardon et de rassemblement. Se rassembler pour avancer, se retrouver pour pleurer, ensemble, parce que nos armes sont communes, parce que nos blessures sont communes, nos colères tout aussi communes. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, à y regarder de près notre société, il est facile de constater que quelque chose ne fonctionne pas. Aujourd'hui, c'est une évidence de relever que notre vivre ensemble est fortement entamé. Le tissu social fragilisé, les causes de cet état de fait sont multiples et complexes. Cependant, un effort se situe. Les responsabilités s'imposent enfin à nous tous. Partant de ce constat, j'ai tenu à l'organisation de ces assises nationales, dénommées Journée de vérité et pardon, pour ainsi donner une occasion historique et unique aux Guinéens de se regarder en face, bien en face, les yeux dans les yeux, et de se parler franchement, à cœur ouvert cette fois-ci. C'est à nous et à nous seuls que revient une telle initiative. Je suis convaincu, chers compatriotes, que personne, je dis bien personne, ne le fera à notre place. La réussite de cette épreuve importante de la vie de notre nation passera par une prise de conscience collective et individuelle, un sens élevé de la responsabilité et surtout un courage, un souci de vérité et surtout la capacité d'écouter, d'accepter et de pardonner. C'est maintenant ou jamais que nos cœurs et nos esprits doivent se libérer. Ici, l'enjeu est comment assumer notre histoire dans toute sa grandeur et sa facette la moins lumineuse pour avancer. Nous le devons aux générations futures. Je compte sur le patriotisme et le volontarisme de toutes les parties prenantes pour y arriver tous ensemble. Les assises nationales sont au-dessus de toutes les considérations politiques, ethnique, religieuse de notre nation. Elles faciliteront dans tout le vivre ensemble auquel nous aspirons. J'en appelle à l'implication des acteurs politiques, culturels, religieux et socio-professionnels pour conférer à cet événement toute la réussite qu'il mérite. Mes chers frères et sœurs, nous sommes chevillés les uns aux autres. Nous ne pourrons pas faire l'économie de marcher en cadence, droit dans nos bottes, si nous voulons remporter la victoire. Aucun Guinéen n'est mieux que d'autres. C'est pourquoi il est de notre devoir, à tous, de dépasser nos ressentiments, d'éteindre nos rancœurs. Chacun de nous ici dans ce pays a subi une brutalité. Les plaies sont là, béantes. Il est temps qu'on les nettoie, qu'on y apporte les pansements pour qu'on guérisse. Évidemment, les cicatrices resteront. Elles seront les témoins de nos folies passées. Pour que ceci ne se répète plus, et plus jamais. Mais elles seront surtout
l'expression la plus nette de nos pardons respectifs. Pour la patrie, nous devons tous consentir des sacrifices et c'est à ce prix que nous irons de l'avant. Comme je l'ai dit à l'occasion de mon adresse à la Nation le 31 décembre 2021, ma détermination pour servir notre nation est totale et je ne reculerai pas. Un de mes combats à la tête de notre pays est d'offrir à ses prochains dirigeants une nation rassemblée, unie, forte et prospère. Un État où le vivre ensemble ne sera plus un rêve. Je rêve d'une Guinée tout court comme du temps de nos pères, de nos grands-pères. Donnons-nous cette chance. Chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, vous dont le corps, le cœur, les âmes ont subi tant de violences gratuites, vous dont les maisons ont résonné de tant de deuils injustes, vous dont les quartiers ont souvent retenti de la glaçante indifférence, vous sœurs et frères, mères et pères, tantes, oncles, des destinées partagées, du haut de cette tribune, je demande à chacun d'écouter le mal de son voisin, de s'offrir à soi-même et aux autres dans la transparence et la vérité. La vérité, oui, la vérité, celle qui donne tout leur sens à ces assises nationales. La vérité, celle qui procède toute entreprise de réconciliation. La vérité, celle qui est synonyme de repentir, de reconnaissance de nos torts. C'est elle, cette vérité-là, après tellement d'affrontements et de luttes stériles, c'est elle qui dicte mes décisions, comme celle qui nous a réunis à l'occasion de nos assises. Cette vérité-là nous demande, et si on s'écoutait maintenant, et si on se parlait à présent, ces journées de pardon et de vérité s'étaleront sur 6 semaines. J'ai instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, de mettre en place un comité national des assises pour coordonner l'ensemble des activités durant cette période. De ce 22 mars 2022 au 29 avril, je n'ai pas doute qu'on s'écoutera et qu'on se parlera enfin. On s'exprimera parce qu'il est venu le temps des paroles patriotiques, libératrices, réparatrices, des discussions apolitiques et émancipatrices. Nous nous parlerons en toute fraternité, nous en sortirons grandis, unis, forts, plus rassemblés et prêts à relever ensemble tous les défis du développement et de prospérité de notre chère patrie. Souhaitons-nous les uns et les autres de belles assises, porteuses d'une paix durable, féconde d'amour dans nos cœurs et dans nos âmes. Par ces mots, je déclare solennellement ouvertes les journées de vérité et pardon. Vive la République, vive la Guinée, que Dieu bénisse les Guinéens et les Guinéens. Je vous remercie. On ne peut pas construire une société forte, une société de tolérance, sans le pardon. Parce que les 60 années et quelques d'indépendance de la Guinée ont été émaillées
de beaucoup de violences, de beaucoup de souffrances et surtout de beaucoup de meurtrissures pour les populations de notre pays. Dans toutes les familles, il y a des victimes. Dans toutes les familles, il y a les bourreaux. Est-ce que l'occasion n'est-elle pas opportune pour qu'on accepte cette fois-ci de nous regarder et de nous parler, pour que le pardon soit possible? Mais ce que je peux rajouter à cela, le pardon rime avec vérité. Sans vérité, il est difficile de pardonner. Nous sommes une société à presque 98% croyante, qui croit à une religion, à l'existence d'un Dieu unique. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu de Mahomet, c'est le Dieu de Moïse, c'est le Dieu de Jésus, et tout simplement, c'est le Dieu du pardon. Qui ne pardonne pas ne peut pas bénéficier du pardon d'Allah. C'est pourquoi j'interpelle tous nos concitoyens, de quelque région, quelque qu'elle soit, de quelque génération qu'elle soit, qu'on accepte de regarder l'avenir avec sérénité. Regarder l'avenir avec tolérance, tout simplement en acceptant de se dire la vérité. Ce qui nous ronge le cœur, accepter de l'extérioriser devant l'opinion nationale pour que le pardon puisse avoir une grande place dans nos cœurs. Parce que tant qu'on ne vide pas nos cœurs de haine et de frustration, le pardon n'aura pas de place. Je profite de cette opportunité pour m'agenouiller devant le peuple de Guinée, les demander une fois encore de donner une chance à ces assises pour qu'on ait une opportunité unique pour nous parler, cette fois-ci sincèrement, pour laisser une place au pardon national et enfin à une vraie réconciliation de tous les Guinéens. Nous sommes une nation riche, que Dieu a tout donné. Je peux dire tout simplement que Dieu a fini de faire son travail pour la Guinée. Il revient à nous les Guinéens de faire notre travail en nous regardant avec amour, avec affection et se donner les mains pour relever les défis de développement économique dans la démocratie et le respect des droits de l'homme, donc de la justice tout court. Et c'est une occasion aussi, au moment où on interpelle la population, nous devons être capables de nous interpeller en tant qu'acteurs majeurs de cette transition, de ne pas commettre les erreurs du passé. Posons les actes responsables, des actes pour lesquels on ne sera plus amené à reprendre. Construisons sur une base solide, des institutions solides, autour d'une mobilisation de l'ensemble des couches de notre population pour ouvrir le boulevard à la transformation durable de nos immenses ressources qui doivent profiter à toutes les composantes de notre pays. Mais si on ne s'entend pas, aucun projet durable ne peut avoir jour et prospérer dans notre société. Vous êtes présent à ces assises nationales alors que certains acteurs politiques ont décidé de bouder cette activité. Dites-nous quelles sont les raisons de votre présence à cette cérémonie. Bon, vous savez que chacun est libre de comprendre la façon comment il prend. C'est vrai que on fait partir une coalition, n'est-ce pas, plateforme, mais il y a une alliance dans sa coalition. Il y a beaucoup de coalitions là. Il y a beaucoup d'alliances dans les coalitions là. Et nous, notre coalition qui s'appelle Corel, Guinée, alors j'ai mis le participation en voix pour demander les membres. Je suis avec mon vice-président, M. Baouri, que vous connaissez. Donc avec 10 personnes, on a reçu 10 cartes, n'est-ce pas, d'invitation et notre alliance. Donc on a jugé utile, tous les membres unanimement ont demandé de venir. Parce qu'il ne s'agit pas de dialoguer aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire rien aujourd'hui. C'est pour venir par courtoisie. Et comme il s'agit de la Guinée, il fallait venir assister, surtout on a été invité. Et c'est les autorités de la place qui nous invitent. Donc c'est normal qu'on vienne et réponde à cette invitation-là. Donc, et des fois je suis même mis en minoritaire, mais mes membres, majorité et même
Et tout le monde a dit de venir, donc c'est pourquoi on est venu aujourd'hui. Qu'il sera organisé des assises nationales en Guinée, à Conakry et dans les préfectures de l'intérieur du pays, mais également dans les représentations diplomatiques de la Guinée partout dans le monde entier. Aujourd'hui, les Guinéens, la Guinée dans toute sa composante, se sont mobilisés pour rallier le palais Momersen pour le lancement de ces assises. Et aujourd'hui, nous estimons que le peuple de Guinée est prêt à se dire la vérité et à se dire le pardon. Donc, pour nous, cette journée symbolise un renouveau dans notre pays. Une soixantaine de partis politiques et des formations de la société civile, pas les moins, ne seront pas présents, notamment le FNDC. Comment vous comprenez ça? Oui, je pense que ces acteurs qui ont jugé nécessaire de ne pas être présents ici ce matin, pour des raisons ou d'autres, comprendront la nécessité d'aller vers ces assises, d'aller vers ces journées de vérité et de pardon, et rejoindre le processus de la conduite de ces assises dans les jours à venir. Est-ce qu'on peut attendre la fin des assises ? Je préfère laisser le soin à l'équipe qui sera annoncée par M. le Président de la Transition tout à l'heure, qui aura la charge de conduire l'organisation et la tenue de ces assises dans les 33 préfectures et dans les missions diplomatiques de la Guinée. Et globalement, les points qui seront débattus. Oui, c'est ce que je dis. Ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Et les couleurs seront tout à l'heure annoncées par M. le Président de la Transition. C'est expressement fait de ne tenir aucune communication jusqu'à l'annonce officielle par M. le Président de la Transition. À la suite de cela, ce qui sera annoncé dans son discours, ses équipes étaleront l'ensemble du programme des assises, le contenu et aussi toute la stratégie et la méthodologie. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut regarder l'objectif et travailler à partir d'aujourd'hui sur ce qui va nous être proposé pour essayer de faire avancer les choses dans le cadre vraiment du rapprochement des Guinéens, dans le cadre de la vérité historique et aussi, pourquoi pas, le pardon. Nous en avons besoin et c'est pour cela que nous estimons en toute responsabilité qu'il était important d'être là aujourd'hui, d'écouter et ensuite proposer, dire nos désaccords aussi, dire ce qui va, ce qui ne va pas, mais il était plus responsable d'être là et c'est à ce c'est dans ce cadre que la CORED, dont le pacte est membre, est représentée largement à cette cérémonie. Ben, la première chose dont il faut se réjouir, c'est qu'il n'y a pas plusieurs partis, il y a quelques partis peut-être. Nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre pays. Il faut que chacun soit là pour qu'ensemble nous écrivions l'histoire de notre pays. Les opportunités, elles ne se présentent pas tout le temps. Nous en avons une, nous devons la saisir. Nous devons nous parler, nous dire franchement la vérité. Nous devons tenter de nous réconcilier, de nous pardonner. Tourner la page de façon responsable. Hein? Et voilà, permettre à ce pays vraiment de sortir de petits débats, hein, pour qu'on parle des idées et des grandes idées. Voilà la raison pour laquelle la CPR, la coalition politique pour la rupture, à laquelle coalition appartient mon parti, nous avons décidé qu'on n'écrive pas l'histoire de la Guinée à notre insu. Nous devons être là pour ajouter notre ligne et nous pensons que c'est le meilleur choix à faire. À ceux qui ont décidé de ne pas venir, nous ne les condamnons pas. C'est une question de choix. Mais écoutez, la Guinée a beaucoup de passifs. Nous critiquons ce qui s'est passé sous la Première République. Nous critiquons ce qui s'est passé sous la Deuxième République. Nous critiquons ce qui s'est passé et même ce qui est en train de se passer. Si nous avons l'opportunité de prendre la parole et dire qu'est-ce qui aurait dû être fait pour que la Guinée se porte mieux, eh bien, il faut saisir cette opportunité. Sinon, eh bien, nous allons nous spécialiser à des hommes et des femmes qui sont là pour faire des critiques et qui finalement seront stériles. Voilà, merci. La question du dialogue politique, c'est dans un autre cadre qui doit être finalisé dans les prochains jours. La question des assises nationales, c'est beaucoup plus large
ce sont des discussions entre la population et l'ensemble des élites, qu'elles soient au pouvoir ou qu'elles ne soient pas au pouvoir. Donc c'est une opportunité de contribuer à faire que la population s'approprie des thématiques extrêmement importantes qui peuvent consolider la démarche démocratique dans laquelle la transition entend œuvrer. Donc c'est une nécessité particulière d'accompagner cela, de contribuer à alimenter le débat, parce que ce sont des questions qui concernent le devenir de la société guinéenne d'aujourd'hui et de demain. Par exemple, comment intégrer la question de la laïcité, comment lutter contre les discriminations de toute nature, comment faire en sorte que la question ethnocentrique puisse être combattue plus efficacement, comment faire pour comprendre pourquoi la Guinée a de la peine à décoller. Est-ce qu'il y a une fatalité ou est-ce qu'il y a des blocages structurels qu'il faudra éliminer? Ce sont des ensembles de problématiques que les assises pourront aborder sans pour autant apporter des réponses pointues spécifiques, mais c'est une occasion de donner la parole à la population, qu'elle s'exprime et qu'elle se sente concernée et interpellée par le devenir et le futur de la société guinéenne. Merci. Quelles sont vos attentes? Bon, je pense que comme vous le savez, les assises nationales concernent beaucoup plus un forum entre la population et les différentes élites. Les élites au pouvoir comme les élites qui ne le sont pas. Donc c'est une occasion de contribuer à faire émerger le débat. Vous savez, on a beaucoup de blocages dans ce pays. Il y a le blocage au point de vue ethno-stratégique, les blocages au niveau de l'économie, des blocages au niveau des questions sociales. Donc c'est une opportunité d'encourager le débat, de faire que des expressions qui n'étaient pas suffisamment audibles puissent l'être à travers ce forum. Et je crois que c'est une occasion, notamment pour les jeunes, un peu partout, de prendre en charge les questions, de les développer et de les faire partager à la population le plus largement possible. Parce que la finalité, c'est beaucoup plus une appropriation par la population des grandes thématiques qui vont dans le sens de la consolidation des dynamiques de stabilité, de démocratie et de paix dans notre pays. Merci beaucoup.